Bonjour, c'est Arthur de En Christ et la vie. Alors aujourd'hui, dans notre série des moments saluts, on va continuer et on va parler de la base de notre foi. Et aujourd'hui, on va voir que notre foi n'est pas basée et notre foi ne dépend pas d'une quelconque chose que nous verrions avec nos yeux, d'une quelconque image visible que nous pourrions voir. Mais notre foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous rejetons toutes les expériences, notamment catholiques. Et nous avons eu une rencontre assez triste, on va dire, il y a quelques semaines. Un homme catholique disait, j'essayais de lui montrer que Dieu n'approuvait pas les idoles, qui sont des abominations. Et ce monsieur nous disait, oh mais ces images de Jésus, ces images de Marie, je sais bien que ce n'est pas Dieu, je sais bien que ce n'est pas ça, mais ça m'aide à visualiser la divinité, ça m'aide à visualiser Dieu, ça m'aide à mieux connaître Dieu. Et malheureusement, j'essayais de lui expliquer, mais malheureusement, cette personne-là ne comprenait pas, ce n'est pas ça connaître Dieu. Connaître Dieu ne nous vient pas de choses que nous voyons. Nous voyons dans la Bible, en Deutéronome 4, verset 12, donc ça parle du moment où l'Éternel est apparu aux enfants d'Israël et leur a donné la loi. La Bible dit, au verset 12, « Et l'Éternel vous parla du milieu du feu, vous entendiez une voix qui parlait, mais vous ne voyiez aucune figure, vous entendiez seulement une voix. » Donc il dit ici, « L'Éternel vous parla, vous entendiez une voix qui parlait, mais vous ne voyiez aucune figure, vous entendiez seulement une voix. » C'est pour ça qu'à l'époque, ils avaient juste entendu une voix, ils avaient connu Dieu parce que Dieu leur avait parlé, mais ils n'avaient rien vu, ils n'avaient vu aucune figure. Au verset 13, il dit, « Et il vous fit entendre son alliance, qu'il vous commanda d'observer, les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. » Donc encore, il vous fit entendre son alliance. Dieu ne s'est pas montré physiquement lui-même aux enfants d'Israël, sinon ils seraient morts, mais il leur fit entendre son alliance et ensuite il les écrivit. Donc c'est pour ça aussi qu'on a confiance dans les Écritures, c'est parce que Dieu écrit. Dieu fait entendre et Dieu écrit. Au verset 15, il dit « Vous prendrez donc bien garde à vos âmes, car vous ne vîtes aucune figure au jour où l'Éternel votre Dieu vous parla en Horeb du milieu du feu. » Donc pareil, encore, il le répète, « Vous prendrez bien garde à vos âmes, car vous ne vîtes aucune figure. » Donc vous n'avez rien vu concernant Dieu, vous n'avez pas vu Dieu, mais vous avez entendu. Vous ne vîtes aucune figure au jour où l'Éternel votre Dieu vous parla. Et c'est pour ça qu'il est dit en Jean chapitre 1 verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le seul Fils engendré qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Donc personne n'a jamais vu Dieu le Père directement, mais c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui le fait connaître. Et il le fait connaître par sa parole, par ses mots, par ce qu'il dit. D'ailleurs, Jésus est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc ici encore, en Deutéronome 4, verset 18, non pardon, verset 16, « De peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez quelque image taillée, quelque ressemblance qui représente quoi que ce soit, quelque figure de mâle ou de femelle. » Et c'est ça que ce pauvre homme catholique ne comprenait pas. C'est que dans sa volonté de voir Dieu, de connaître Dieu à travers ces images taillées, c'était une volonté qui était sincère, mais sincère dans quelque chose de mauvais et de maléfique. Parce que l'Éternel dit ici, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez quelque image taillée. Donc, quand on fait des images taillées, de quelque ressemblance de quoi que ce soit, donc la ressemblance d'une femme, Marie, la ressemblance d'un homme, Jésus-Christ, les saints, tout ça, c'est de la corruption. Et ça, la personne était sincère, la personne voulait connaître Dieu ou un Dieu qui venait de sa propre imagination, voulait mieux connaître Dieu à travers ces images taillées-là, mais c'est faux, c'est de la corruption, c'est de la tromperie et c'est de l'aveuglement. Et ces images, ces idoles-là sont des abominations pour Dieu. Et au verset 19, il dit « De peur aussi que levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée du ciel, tu ne sois poussé à te prosterner devant eux, et que tu ne serves ces choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous tout le ciel. » Donc là, voilà à quoi ça conduit. Ça conduit les gens à se prosterner devant ces choses-là et à adorer des abominations. Et ces gens-là sont dans l'aveuglement, malheureusement. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un dit qu'il veut connaître Dieu
grâce à ces images taillées, à ces statues. Quand quelqu'un dit que ces statues et ces idoles, bien sûr, ils n'appellent pas ça des idoles, mais voilà ce que c'est des idoles. Quand cette personne dit que ces statues-là l'aident à connaître Dieu, c'est faux. Au contraire, ça l'aveugle encore plus. Et on va continuer, on va voir. Donc, Paul prêchait la même chose aux Athéniens, en acte 17, commençant au verset 26. Donc, à propos de Dieu, « Et il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes, pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation, pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, car de lui nous sommes aussi la race. » Et c'est là que surtout je voulais en venir. « Étant donc de la race de Dieu, donc étant donc créés à l'image de Dieu en tant qu'homme, donc nous sommes créés à l'image de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre taillée par l'art et l'industrie des hommes. Dieu a donc laissé passer les temps de cette ignorance, mais commande maintenant à tous les hommes en tout lieu de se repentir. » Donc ça, c'est ce que Dieu commande à toutes ces personnes-là qui veulent voir Dieu dans ses statues, dans ses idoles. Dieu leur commande de se repentir, parce que Dieu ne ressemble pas à ces choses-là. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre taillée par l'art et l'industrie des hommes. Et Dieu vous demande d'abandonner cette ignorance et de croire la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu et Jésus-Christ. Pour finir, je vais citer ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 11, au verset 27, je vais le lire. « Toutes choses me sont délivrées de mon Père, et nul ne connaît le Fils que le Père, et nul ne connaît le Père sauf le Fils et celui à qui le Fils voudra le révéler. » Donc si quelqu'un veut connaître Dieu le Père, il doit passer par son Fils Jésus-Christ. Nul ne peut connaître le Père, nul ne connaît le Père sauf le Fils. Donc il n'y a que le Fils qui connaît son Père et celui à qui le Fils voudra le révéler. Ce n'est pas ces images taillées-là qui nous font connaître Dieu, mais c'est son Fils Jésus-Christ, par sa parole. Amen.